Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire une base dans le métaverse, dans un autre univers. Donc les policiers vont être dans un tout nouveau monde qui ne comprendront ni le dessus ni le dessous. Avec des trucs où la gravité elle part en couille, vous allez voir ça, c'est magnifique. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Et je sais pas si vous avez vu les gars, mais sur ma chaîne, si vous cliquez sur le bouton en direct, vous voyez toutes les rediffusions de live. Donc si vous avez raté les lives que je fais tous les soirs, vous pouvez voir la rediffusion et ça c'est beau. Donc pour le métaverse, il nous faut un endroit assez grand. Je sais exactement quel endroit prendre. C'est juste là. Voilà, c'est, normalement c'est à la police, mais en vrai pour la vidéo je peux leur piquer, on va dire. Donc le métaverse, pour moi je le vois comme un univers parallèle. Donc il faut que le policier il rentre carrément dans un nouveau monde. Donc je vais faire en sorte que ça soit carrément bien refermé. Je le mets suffisamment long parce que là la bataille se fera en extérieur. D'habitude les gunfights se font à l'intérieur. Cette fois-ci ça se passera à l'extérieur. Voilà. Et là, c'est l'entrée du métaverse. Incroyable. Et l'entrée du métaverse, je vais faire en sorte que quand tu rentres à l'intérieur, tu ne peux jamais y ressortir. Jamais, jamais. Voilà. C'est pas grave s'il y a un peu de d'arbres, qu'on va dire, qui traînent à l'intérieur. Ça fera un style, on va dire. Donc là, je peins tout en blanc. Évidemment, j'aurais pu directement le faire à la construction. Comme ça, ça se serait fait automatiquement. Mais vous me connaissez, j'oublie toujours. J'oublie. Par contre, là, c'est coloré, tu vois. Mais le métaverse, dans mon univers que j'imagine du métaverse, je l'aurais bien fait violet foncé comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est vraiment la base du truc. Le toit noir, le sol, je vais le mettre noir comme le dessus en vrai. En vrai, mettre que les côtés, c'est pas mal, je trouve, c'est correct. Donc me voici dans mon métaverse. Je vais déjà mettre mes protections. Donc là pour l'entrée, ça va être l'entrée unique, hein, vraiment les gars. Tu rentres, tu ne ressors jamais du métaverse, faut le savoir. Donc là pour les obliger à rentrer, bon, on va les faire que tout simplement ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà. Donc là t'arrives là, t'es obligé de descendre. T'es obligé de descendre ici, j'ai modifié les couleurs parce que c'était un peu trop noir. Tu descends là, là t'es chocolat, hein. Là t'es obligé de descendre frérot. Et là, on va faire toute une scénographie, ça va être beau, ça je vous le dis. Donc là ce que je verrais bien, c'est des petits arbres comme ça, tiens. Crado comme crado. Je vais mettre les arbres, je vais m'en mettre quelques-uns histoire d'être tranquille. Hop, je les mets en no collision. Et pour qu'ils soient dégueulasses, je vais les peindre, tu vois, comme ça frérot. C'est le... Oui, oui c'est ça. C'est le métaverse les gars. Donc là je vais pouvoir placer mes petits arbres dégueulasses. Voilà la gueule du métaverse édition 1. Grâce à ça, je vais faire une genre de route qui mène jusqu'à mon bâtiment. Voilà, comme ça. Hop, voilà, mon bâtiment sera là, au fond de ce beau couloir. Ici, je pense que je peux écrire bush pour mettre des petits buissons par-ci, par-là. Et aussi des petits buissons crado, quoi. Avec un truc comme ça, succès garanti. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Succès garanti de cette prise d'otage. Ici, j'aurais bien mis des trucs sans gravité, tiens. Tu vois, des trucs qui volent comme ça. On sait pas pourquoi, mais c'est le métaverse, mon pote. Voilà. Des trucs qui volent. Voilà, faut pas chercher une explication pourquoi du comment quoi. Oh, des têtes humaines, alors ça, ça c'est beau. Un tableau du créateur du jeu avec Jésus, j'imagine. Une chaise, hop, on la balaye la chaise. On pourrait même mettre une voiture qui rôderait en l'air sans gravité, tiens. Attends, je lui mets juste un petit coup de poing histoire de l'animer la bagnole. Et ben voilà. Ok, les trucs bougent quand même un peu. Tant pis, au lieu de me faire chier, est-ce que je peux les dupliquer? Oh merde, le frérot. Oui, ça marche, je peux les dupliquer. Ça a été un peu violent, mais ça, je trouve que ça vole bien quand même, mine de rien. J'ai juste à marcher dessus pour les faire s'animer. Excellent. Ça, c'est le métaverse. J'ai réutilisé la base sous-marine pour plus d'efficacité, on va dire. Voilà, juste à la fermer, cette petite base. Ok, là, on est pas mal, je trouve. Il suffit juste de préparer ce qui est un peu cassé. La base est prête. Je vais juste mettre mes petits K-pad. Ah merde, j'ai oublié de retirer le fait qu'il faut payer pour mettre le K-pad. Parce que l'otage, il va payer, frérot, il va sortir. Hein. Ok, pour éviter d'avoir les flics qui contournent, je vais fermer à gauche et à droite. Là, dans ma tête, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, les flics, ils vont contourner, ils vont être derrière ma base, ils vont m'emmerder. Ils m'emmerdent, les flics, ils m'emmerdent. Donc ça, c'est escalier pour monter ici. Et voilà, et là, je pourrais mettre carrément un endroit pour être au-dessus. Voilà, comme ça, je peux discuter avec eux, gentiment, s'ils le veuillent bien. Mais bon, est-ce que vous avez déjà vu un flic gentil? Je connais pas. Je ne pense pas que ça existe. J'ai carrément fait un toit complet. Comme ça, j'aurais juste à monter, descendre. Ici, c'est un peu la merde, mais ça passe. Ici, c'est correct. Et ici, je peux monter en haut. Bon, nickel. Je sauvegarde tout. Parce qu'on sait jamais, regardez ma main. Parce qu'on sait jamais, les poteaux. Donc, les amis, c'est parti pour aller chercher l'otage. Oh merde. Ils me font peur. Ça, c'est de la provocation, là, ce qu'ils m'ont fait. Là, ils m'ont provoqué. Attends, t'es flicos, tu vois ça? Tu te demandes, c'est quoi? C'est un truc pour avoir des minerais dans Clash Royale, frérot. Ok, j'ai sorti mon petit Q8. Efficace et pas cher, c'est mon Q8. Eh, hey, monsieur. Oui. Que vous avez déjà entendu parler du métaverse? Ah, oui. Un collègue, là, il est en train de créer un univers. Il... Ah, ouais? Monsieur, venez, je vais vous montrer un truc. Vous qui pas de métaverse. Ah, elle marche bien, votre voiture. Hein. C'est un peu mieux que la mienne. Ah, bah, ça dépend les budgets, hein, ça, c'est sûr. Regardez, hein, le métaverse.
traverse que j'ai créé à droite. Oh. Belle beauté, belle beauté. Il y a des cristaux au-dessus. Ça, c'est pour Clash of Clans. Mais c'est pas écrit ça de Clash of Clans? Il y a rien qui va. C'est beau, c'est beau. On ne peut que applaudir. Et ici, c'est ma base. Bon, c'est toute beauté. Ça, c'est sûr. Oui, y a-t-il donc une cage? C'est pour les invités comme vous. Oui. Hein. Ah, est-ce que je peux finir la visite? Ah, bah, elle est finie la visite maintenant. Après, c'est beau quand même. Après, c'est pour fumer une clope sur le toit. Venez, la sortie, c'est par la cage. Ah, oui, effectivement. Ça, c'est beau. Ah, bah, je vais y rester, je crois. Bougez pas. Bah, je vais pas bouger. Inspecter. Est-ce qu'il a une arme sur lui? Vous avez pas un fauteuil? Monsieur, vous êtes pris dans l'otage, monsieur. Vous arrêtez de baver. Ah. Oula, ça, c'est une menace. Ok, je vais pouvoir appeler la Polizei. Tâche 911. Prise d'otage dans ma base. Métaverse. Oh, ça fait peur, hein. Ah, ils acceptent. Ça, c'est beau. C'est le moment de l'armement. Un Kevlar. Tu fais plaisir. Je vais garder mon AK. Je vais juste prendre un petit pistolet. C'est le même setup à chaque fois. Ça nous permet de nous protéger et de pouvoir faire mal avant tout. C'est bien parce que ces arbres, ils sont dégueulasses et à la fois, ils nous protègent. Ok, les policiers vont arriver. Attendez, faut que je mette un coup de poing sur les trucs qui volent histoire de les réanimer, tu vois. Réanime-toi. 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 Réanime-toi, frérot. Là, ouvert le portail. Normalement, ici, c'est le camp d'entraînement de la police. C'est l'endroit parfait pour faire une base, ça, je vous le dis. Ok, on a le négociateur qui vient d'arriver, les gars. Ça devrait être beau. Je vais essayer de parler comme Maître Yoda, vu que je suis dans un autre univers. Vous avez vu l'univers, comment il est beau? Oh là là, magnifique. Ok, il va me donner son numéro de téléphone, regardez. Et voilà, je suis devinateur. C'est ça, le métier, non? Hop, je colle. Je suis en train de les appeler. Bonjour, bonjour. Bonjour, je suis. Vous êtes qui? Je me présente, si vous voulez. Je suis le sergent Bob Chardonnay. Je serai le négociateur durant cette prise d'otage. Et moi, je suis l'empereur du métaverse. Carrément. L'empereur du métaverse? Et je vous invite à rentrer pour faire les négociations de vive voix. Je raccroche. Et si dans quelques secondes, je ne vois pas rentrer, l'otage, il se fait métaverser. Et là, je raccroche. Ça, c'est beau. Toi, mon lieutenant, il faut qu'on rentre. Il faut qu'on rentre. Il se fait métaverser. Attendez. Faut que je bouge un peu tout. Ça, c'est beau, ça. Faut que ça bouge. Hein. Et la voiture flow. Ok, tu prépares à rentrer. Moi, j'ai tout qui bouge carrément. C'est vraiment. la bagnole, regardez le truc. C'est un hélicoptère. Regardez, regardez. Regardez la tête. Alors, la tête. Oh, c'est quoi ça? Ça panique là. Celle-là, ça panique. Il y a tout qui vole, frérot. C'est le métaverse intérieur. Ok, oula, wow. Wesh. Wow. Ça, c'est beau. Ok, je vais pouvoir retourner dans ma base. C'est en train d'arriver, mon cher monsieur. Les convives sont là. Je vois ça par la fenêtre. Je vois ça par la fenêtre. Bonjour, monsieur qui vivait dans le monde réel. Bonjour, monsieur. Attendez, par poétesse, je vais prendre mon arme. Vu que vous avez des armes. Qui est la personne à qui j'ai parlé? C'est vous? C'est à moi, monsieur l'empereur du métaverse. Métaverse 1, on m'appelle. D'accord, bonjour, monsieur l'empereur du métaverse. J'ai pris en otage un membre de votre planète. Et là, vous êtes passé par un portail qui vous a téléporté dans ma planète. C'est petite, ma planète, elle est rectangulaire. Ça nous a un peu secoué là, on avait envie de vomir. C'était nouveau pour nous la téléportation. Ah, voilà, l'otage, il s'est chié dessus. Complètement. Faudrait peut-être me changer. Vous frappez pas sur l'otage, j'espère. Non, c'est ça qu'il faut. Non, attention, ça s'accélère de plus en plus vite. Ça s'emballe, ça s'emballe. Oh là là, ça s'emballe. Oh putain. Ça, c'est dangereux quand même. Vous le prenez pas dans la gueule. Là, tu te la prends un crâne, c'est fini. Qu'est-ce que vous réclamez contre l'otage là? Je veux pour accorder un soutien diplomatique entre nos deux univers que vous me donniez 100 000 dollars, qui est l'équivalent dans mon pays de 4 milliards pour vous. 4 milliards pour nous? Oui, mais bon, vous me donnez 100 000, vous donnez 100 000 et moi dans mon univers ça vaut 4 milliards. C'est pour ça que je suis venu faire un coup d'état ici. 5 000 dollars. Ah bah oui. 5 000 dollars, c'est une somme énorme, on sait même pas si la mairie pourra les traiter. D'accord. Eh, vous avez pas dit les règles de la prise d'otage, vous avez pas dit les règles comme quoi on avait pas le droit de tirer. Vous m'avez raccroché à la tronche. Mais raccroche. Et bah maintenant vous le saurez, vous avez pas tiré. Attends, je vais mettre un Volt Boy. Attention, j'envoie un Volt Boy. 100 000 ou rien. Les trucs qui volent. Baissez-vous. Et si je lui remets de la gravité d'un coup, là, il se le prend à la gueule. Et y a pas de outil pour les 100 000 dollars là, à la baisse? Ça va y arriver sur ma tronche. 4 à 19 000. Oh putain, Arrêtez de tirer. Vous avez dit quoi? Oh, pardon. C'est la dernière fois qu'on vous le dit, arrêtez de tirer. Mais c'est, c'est une manière pour dire qu'on est content dans notre pays, dans notre univers. Vous pouvez pas juger les traditions. Chez nous, les traditions, c'est pas prendre l'otage des gens. Ah oui, c'est vrai. Écoutez, je vais essayer de négocier pour les 5000 dollars avec l'état là, de notre belle ville. Oui. Et on va pouvoir procéder à l'échange de l'otage. Là, je vais voler au-dessus là. Oh putain, vous approchez pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont chauds là.
voilà, un essentiel. Vous pourrez réouvrir le portail pour qu'on puisse ressortir pour aller chercher. Ah bah non, c'est fini maintenant. C'est soit j'ai mis 5 000, ça vous sortait jamais. Hein. Bon, qui a un chéquier sur le lit là. Ils vont se cotiser. Si tout le monde se donne 5 000 $, ça peut passer. Ils vont te sauver, ils vont te sauver, l'otage de merde. Vous en faites pas, c'est pas l'otage qui a reçu une balle. Vous allez bien, monsieur l'otage ? Pas que l'otage, suite à la balle que j'ai mis, bouge plus. Mais il est vivant. Quoi ? Comment ça ? Il est vivant, je veux vous le montrer. Montrez-le nous tout de suite. Attendez, je vous le montre, je vous le ramène. Regardez, il est là. Ok. Bonjour monsieur, vous allez bien ? Il parle plus, je crois que je l'ai lobotomisé, il y a d'une balle à la tête. Bah, je pense que la langue, elle a dû être coupée lors du voyage. Ouais, mais ça doit être un traumatisme. Ok, les gars. Faut que j'y aille. Oui, il respire. Oh putain, ok, greffeux. Mais c'est comme ça qu'on fait dans le métaverse. C'est comme ça qu'on libère les otages dans le métaverse. Je les vois plus, ils peuvent être partout. Ok. Oh là là, ils me font trop mal, ils me font trop mal. Salopard. Heureusement que j'ai toujours un bandage sur moi grâce à mes droits d'administrateur. Quel vieux. Oh, ça tire. Oh, ça m'a smoke, ça m'a flash, je ne sais pas. Go. Ok, faut que je me mette comme ça, les gars. Faut que je me mette comme ça, là. Allez, comme à la vidéo. Mais je me ferai pas avoir, hein, cette fois-ci. Hein. C'est bon, mais. Le père qui. Oh, punaise. Là, faut que je me prépare. Hein. Ok, ils sont là. Ils sont là. Allez, doucement, pour l'instant. Rentrez pas tous en même temps, sinon on va se bloquer. Oh, putain. Ok, c'est bon, je recharge. C'était un tir de suppression. Ok, là, on est bien, là. Salut, laissez-nous vivre. Ça va. Faut que je me cache dans ma cachette. Faut que je me cache dans ma cachette. J'ai peur. Ils peuvent être partout. Ils peuvent être partout. J'ai peur. Ils me cherchent. Non, je peux pas. Ils s'approchent. J'ai peur. Oh, j'ai bien joué à mort. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Abonnez-vous, lâchez des likes. Elle était excellente. Bienvenue dans le métaverse. Vous êtes dans mon univers. Ciao.